Alors que tout le monde attendait le calendrier des examens nationaux pour le mois d'août, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, sur instruction du président de la République, fait savoir que ces examens démarrent le 22 juillet. Bon, par rapport à la publication de ce calendrier, nous étions d'abord concentrés sur le calendrier qui a été donné premièrement pour le mois d'août. Maintenant, hier, nous avons vu qu'ils ont choisi élaborer autre calendrier des examens. Et ce calendrier aussi débutera par des examens, c'est-à-dire le baccalauréat. Bon, nous sommes un peu surpris pour la réaction du président, parce que c'est le président qui a décidé de changer le calendrier. Donc, selon moi, quand même, je suis surpris par ce calendrier. Sekouba Serif, élève de la terminale au lycée 3 avril de Cancan, renchérit les propos de son prédécesseur. Il a aussi mis un accent sur la modification du programme qui ne laisse pas de temps de repos aux candidats. Personnellement, quand même, je suis suffisamment prêt pour les examens pour le 22, même si ça a été une surprise pour nous, parce que la majorité s'attendait au mois d'août quand même. Cela va nous causer beaucoup de problèmes parce que nous avons besoin aussi de repos. Avec le calendrier très serré, nous n'avons pas besoin. Donc ça serait très très fatigant pour nous quand même. Contrairement à ses aînés, Kadiatou Sayon Samoura, élève de la 10e année au collège Morfindian Diabaté, ne semble pas avoir de problème avec le calendrier. Quand même, selon moi, ça ne pose pas de problème parce que ce que j'ai dit depuis le début de l'année, j'ai commencé les révisions. Maintenant, on a tellement révisé quoi. Les nouvelles, là, même moi, je suis fière de ça parce que voir, ils ont appris qu'un candidat doit être toujours prêt. Oui, ça même, c'est bon. Quand on commence, il faut qu'on termine vite. Vendredi 2 juillet 2021, au lendemain de la publication de ce calendrier, la direction préfectorale de l'éducation de Cancan a tenu une réunion avec les responsables d'école de la place. Le contenu de cette rencontre ne nous a pas été révélé.